Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons vous parler aujourd'hui d'un sujet qu'on n'a pas abordé, la transformation, les transformations du plan. Le plan, deux dimensions, comme le plat pays, une fois. Et pour parler de ce thème, j'accueille mon cher collaborateur, Guilly. Salut petit, quelle nouvelle! Ah mon cher Guilly, tu as la pêche aujourd'hui. Eh, la frite surtout, hein. Regardez, qu'est-ce qui arrive avec ton fondu suisse? Là, on a dit qu'on faisait de la 2D, hein. Quand on fait de la 3D, tu reviendras avec les montagnes. Ouais, mais comme une 5 à 2, ça a du relief, hein, ça. 5 à 2, c'est un bon match, quand même. Pour revenir à notre sujet, un petit rappel de connaissances, à condition que vous n'ayez pas brossé vos cours. Alors, on commence par les translations. Une translation, c'est une figure qu'on fait glisser, mais sans la tourner. Par exemple, ici, j'ai la figure F. À cette figure F, je lui fais subir une translation de vecteur V. Je la fais glisser par ce vecteur V et on obtient l'image de cette figure F qui est F'. Et voici encore un autre exemple de translation. Allez, deuxième transformation du plan, la symétrie axiale. C'est un peu comme l'effet... L'effet papillon. Non. L'effet de C. Mais non. L'effet placebo. Enfin, carabistouille, bah. L'effet qui se coule. Mais, allez, t'es dur à la comprenure, toi, hein. Tu es en train de jouer avec mes pieds, là. L'effet miroir. Oui. Miroir, mon beau miroir, dis-moi qui est le plus beau, François Collet. Tu es beauf, mon bon Guilly, tu es beauf. Mais il y a quelqu'un dans le collège qui est encore mille fois plus beauf que toi. Hein? Qui ça? Mais voyons, c'est Harry. Ben, puisque c'est comme ça. De carabistouille, une symétrie axiale, c'est donc l'effet miroir et ça fait comme ceci. Voilà, tout simplement. Une autre isométrie, c'est la rotation. C'est quand on fait tourner autour d'un point P, ici. Là, par exemple, on a une figure qui tourne à peu près 90 degrés autour du point P. On pourrait l'appeler une pointe pirouette. Ouais, pourquoi pas. Et dernière transformation, c'est une rotation un peu particulière parce qu'elle fait 180 degrés. Donc c'est une rotation de 180 degrés, mais on peut aussi l'appeler une symétrie centrale. On tourne autour de ce point C. Maintenant, on va passer à la démarche inverse. On a les isométries et on doit trouver les caractéristiques. Alors pour la translation, comment trouver le vecteur? On prend un point et son image et ça nous permet de tracer le vecteur de translation. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Ensuite, pour trouver l'axe de symétrie, il faut s'armer d'un compas et faire une médiatrice. Je te rappelle, je prends un point et son image, et ensuite une médiatrice, vous connaissez. Hein, les deux arcs de cercle se croisent, merci la vie, et ensuite je relie l'intersection des deux arcs de cercle. Et je trouve mon axe de symétrie. Alors, Guilly,
Maintenant, ça va être un petit peu plus complexe. C'est de trouver le point de rotation, le centre de rotation. La figure, elle tourne à peu près là autour. Mais on ne sait pas exactement où. Il faut que ce soit précis. Trouver une bonne technique pour trouver ce fameux point pivot que vous disiez. Ce point P, ça peut être point PP. Ben, point PP, ça j'ai facile. Hein. Il suffit de chanter. T'as pas tout écrit de même sachet, hein. Donc je disais que pour trouver le sens de la rotation, il faut procéder avec des médiatrices entre un point et son image. Par exemple, ce point et ce point. Voilà pour la première médiatrice. Et une deuxième médiatrice avec un autre point et son image qu'on peut construire. Et voilà pour la deuxième médiatrice qui va se croiser au sommet à l'intersection de tous nos traits de construction. C'est un hasard complet. Et on obtient donc l'intersection des médiatrices, le point, le centre de rotation. On peut appeler le centre F pour pas que ça fasse pivot. Hein. Ça évite toute digression. Tout ça c'est bien beau, mais il faut pour savoir avec quel angle ça tourne. Ce point pour arriver jusqu'ici autour du point R, de combien de degrés il va tourner. Alors on peut tracer des petits repères pour mettre en évidence notre angle. Moi je dis au pif comme ça ferait 92 degrés. Merci Billy. Et je mesure avec le rapporteur l'angle de rotation. Et ça fait 99 degrés, c'est un peu loin. Dernière chose, hein, pour trouver le centre d'une symétrie centrale, il suffit de relier le point à son image. Et on constate donc que tous ces traits se croisent en un point, le centre de la symétrie centrale, qu'on peut appeler le centre C. Mon cher Billy, question nouveauté, ou rayon nouveauté, on a les mots bouts. Peut-être encore plus des transformations qu'on peut citer, qui vont voir plus en détail nos chers élèves l'année prochaine, c'est que l'on peut agrandir les figures ou les réduire. Ici, par exemple, la figure F, elle est agrandie avec un facteur 2. Donc on multiplie les longueurs par 2 selon le centre O. Et cette transformation, on peut aussi la représenter, illustrer par cet exemple concret, un ballon, que j'ai agrandi avec un facteur 1,5. Alors, Billy, cette transformation, comment elle s'appelle? Allez, mais enfin, c'est là, moi. Ouais, tu fais moins de déconner, hein, là. Ça s'appelle une homothétie. Au moins, le terme est donné, une homothétie. Eh bien, avec cette affaire rondement donnée, je crois qu'on peut dire au revoir. On n'a plus besoin de vous expliquer ce qu'il faut faire, hein, et puis. Ça, vous connaissez aussi. Alors à bientôt pour une prochaine vidéo. Fou.